puis, bonne route et bon courage à ceux qui s'apprêtent à aller quelque part. Donc, soyez prudents et puis profitez de cette belle journée où que vous soyez. Donc, merci à ceux qui sont encore chez eux et qui nous suivent ce matin. C'est jusqu'à 9h30. Bonjour d'Algérie. Et au menu de ce matin, nous aurons le plaisir d'entrer en contact à partir d'Italie, donc avec un artiste algérien qui vient d'être primé justement en Italie. Il s'agit de Massinissa Asker qui vient de décrocher un Lion d'or à la Mostra de Venise, donc pour l'ensemble de sa carrière dans la discipline art visuel. Nous sommes donc heureux de le recevoir en direct à partir de son pays d'accueil, l'Italie, donc ce matin. Donc en parlant d'art également, nous aurons l'occasion d'évoquer une exposition qui sera prochainement abritée par les CIMES de la galerie Racim. C'est en plein centre d'Alger que l'artiste peintre donc Saïd El Jamar recevra et rencontrera son public donc à l'occasion de cette exposition qui démarre le 1er du mois de mai prochain. Donc un vernissage pour cette exposition est prévu le 6 et tous les détails nous les aurons avec l'artiste peintre qui sera parmi nous ce matin. Dans un autre volet, l'environnement et la nature seront à l'honneur au jardin d'essai, donc actuellement appelé le jardin botanique d'El Hamma, donc qui accueille les bambas pour des ateliers de jardinage, ateliers verts. Ils sont appelés par Samir Gerfi, initiateur de cette belle et louable donc expérience dont il parlera avec nous tout à l'heure ici même sur le plateau. Dans cette matinale, nous retrouverons aussi nos amis de l'équipe, en l'occurrence Aïda Mechri qui nous parlera de l'importance justement des travaux manuels, à l'instar donc de ceux initiés au niveau du jardin botanique d'El Hamma. Donc on parlera d'autres disciplines artistiques, entre autres, avec Aïda Mechri qui nous en dressera un petit peu l'importance par rapport au volet psychologique. Et puis, nous retrouverons également Yazid Ait Mahyedine pour ses coups de gueule et ses coups de cœur. Mariam Moussaïd qui continuera elle aussi de nous parler des vertus des plantes. Mais aussi donc Riyad Belkhadim exceptionnellement ce matin à l'occasion de la tenue du Cannes chez nous. Cannes des moins de 17 ans, donc la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 17 ans a déjà connu son ouverture hier avec aussi un premier match à la carte dont l'Algérie est sortie victorieuse. Le détail, ce sera avec Riyad Belkhadim tout à l'heure. Voilà, merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer d'agréablement en notre compagnie et tout de suite, pour vous aiguiller sur les nouvelles du ciel, voici venir Amel Laribi. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. ومعاً نصنع لا ميتيو. Non, pas le مستقبل. Oui, la météo. مستقبل, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent comme ça pour construire un destin, un avenir. Oui. En tout cas, c'est vrai que parfois la journée dépend de la météo. Alors, que nous disent les cas pour aujourd'hui, Amel? Eh bien, il y aura une petite baisse quand même des températures par endroit, c'est déjà pas mal. On l'a senti ce matin. N'est-ce pas? Ah oui. Oh, on a apprécié, hein, franchement. Oui, 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 j'imagine. Oh mon Dieu. C'est vrai que la température, le mercure était monté très haut la très, semaine très dernière. Très, 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 très haut. Mm-hmm. De toute façon, c'était prévu, hein. D'accord. Voilà. C'est une baisse temporaire, j'imagine. On verra bien. D'accord. Alors, dites-nous tout, hein, s'il vous plaît. Merci, Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps sera le plus souvent voilé sur les régions côtières ouest et centre, avec des foyers orageux sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre qui peuvent donner quelques pluies durant cet après-midi sur les hauts plateaux ouest. Vers l'est, eh bien, on aura des vents assez forts près des côtes est qui peuvent atteindre les 50 km/h sous un ciel passagèrement nuageux et qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée. Des foyers orageux également sur les Aurès et le plateau de l'Est. La moitié sud connaîtra un ciel voilé. De la Sahara vers le nord Sahara, les oasis également, l'extrême sud, le Gertasili et le sud du Sahara oriental avec des cellules orageuses qui peuvent donner quelques pluies durant la journée. Et à noter, des semences de sable vers l'extrême sud, le Eger et le Tassili. Également le nord Sahara et les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent.
Les températures, eh bien, quant à elles, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum, cette fois-ci, 33 degrés vers Lisan, 32 Tlemcen, 28 Oran Albiyod, 27 du côté de Djelfa, 29 Batna, 26 degrés à Annaba et Constantine, 25 Tizouzou, 22 degrés, cette fois-ci, à Alger. Au sud, 37 degrés à Biskra, 38 Béchar, Gardaïa et Lizi, 35 à Tamanrasset, 36 Djanet, 42 degrés Tindouf, Insalah, également Ingezem et 43 degrés le maximum à Drar et Borj Bedjimurtal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et est, peu agitée sur le côté, les côtes centre, pardon, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront variables. 10 à 40 km/h sur les côtes centre, les vents seront de secteur est à nord-est et 20 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera nuageux et pluvieux à Vancouver, Montréal, New York et également Miami, partiellement voilé en Californie et Mexico, plutôt dégagé à Dallas avec des foyers orageux cette fois-ci du côté de Washington. Le mercure affichera 14 degrés à Montréal, 15 à Vancouver, 16 à New York, 19 Washington, 22 en Californie, 26 Dallas et 28 degrés le maximum Miami et Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée, Amel. Excellente journée, Radia. On se dit à tout à l'heure. Oui. Coulisse. Bah, tout à l'heure, tout à l'heure, en coulisses. En tout cas, merci à ceux qui sont avec nous ce matin, donc pour justement pour vous permettre un petit peu d'apprécier cette rencontre avec nous. Nous vous offrons tout de suite une très belle chanson interprétée par le chanteur de la musique Chabi, Lahirhamo Amar Zahi, qui nous interprète tout de suite Yahle Lawa. Donc hommage et hymne aux amoureux. معها خليه في الحب ميتم طول عمره يتمناها يا اهل الهوى راح تنسلم روحي بنت واش دواها يا اهل الهوى دم نظامي في بها من الحسن الفاير ليكم بسلامي يا اهلي نور الشر نظمي رسمي وكلامي مخفى على منه عاشق وبخطاف عمره يتقدم يكشف رموز ومعناها قلبنا مسايب لا تكتم حسن الوجود تبدناها يا اهل الهوى راح تنسلم روحي بنات واش دواها يا اهل الهوى راح تنسلم روحي بنات واش دواها سليهم هما في بالعشيه ما تدري باش ياتيك الصباح الراقيه
على حودينا بحد السهيمات الشمس وما إلا مغيب. آه يا سيدي الشمس وما إلا المغيب الشمس وما إلا المغيب. Les belles qadettes avec le chantre de la musique Chabi et Amar Zahi, apprécié à ce jour par les générations actuelles. Allah yarhamou. Et donc, ce sont de beaux souvenirs qu'on ressort à chaque fois de nos archives pour donner toute la vie à la mémoire justement de ces personnes qui ont beaucoup donné à l'art en Algérie. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis également de retrouver Aïda Mechri. Bonjour Aïda. Bonjour Radia. Excellente matinée à vous aussi. Merci, merci. Oui, vous revenez d'un très beau voyage. Très beau voyage, voilà. Qui m'a ressourcée, c'est vrai. On en parlait dans les coulisses. Ça se voit, vous êtes très épanouie ce matin, oui, très oui, souriante. Oui. La célébration de la journée mondiale de l'autisme, la sensibilisation autour de la maladie de l'autisme, qui a été organisée par le ministère de la Santé au niveau de la wilaya de Djelfa. C'est bien de décentraliser comme ça. Hein. Décentraliser, mais aussi c'était les hauts plateaux, regrouper un tout petit peu les wilayas qui sont au centre et au plateau pour partager leur expérience, voir de près un peu le souci de ces familles, de ce mouvement associatif qui travaille. Il y en a ceux qui ont besoin de prendre la parole juste pour exprimer leurs difficultés dans la prise en charge de leurs enfants. Il y en a d'autres qui sont plutôt fiers de présenter leurs projets et comment ils ont réussi avec peu de moyens à accompagner, à réintégrer les enfants, à permettre à ces enfants à besoins spécifiques ou bien qui portent un peu ce trouble d'avoir le processus de l'apprentissage, de l'épanouissement culturel, travail, et tout ça enrichit bien sûr. Et ça, je dirais, ça reste peu par rapport à ce qu'on peut vraiment donner. Mais bon, c'est vrai que l'échange permet toujours de faire le point, le constat, de manière à combler les vides et combler les carences, effectivement. Absolument. En tout cas, en parlant justement de thérapie, en parlant justement de ce qui peut amener à l'épanouissement ces jeunes enfants aux besoins spécifiques, ou les enfants tout court, oui. Il y a un moyen qui est très courant, hein, les travaux manuels. Moi, je ne sais pas comment Yazid Aït Mahedin a trouvé la thématique. Moi, je le remercie. Entre les lignes, comme ça, il s'arrête sur des choses extrêmement importantes. Vous savez, les travaux manuels, travaux pratiques, quelque chose qui remet, qui nous permet quand même de lire et de s'exprimer. De s'exprimer, mais de suivre le processus d'apprentissage avec les vraies normes qui permettent à la personne, à l'enfant ou à l'adulte lui-même, hein. Vous savez, ça nourrit énormément, mais ça permet aussi d'avoir la technicité, d'avoir une pédagogie, de s'identifier, de vraiment se projeter dans l'objet, la réalisation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vous savez, ce qui a attiré mon attention, c'est que souvent, parce qu'il ne faut pas trop laisser les objets un peu partout, parce qu'il faut garder la maison très propre. Les mamans, elles sont là juste à donner ce qu'il y a rapidement, sans vraiment se retourner, sans vraiment permettre à leurs enfants de bien se nourrir et puis de comprendre l'utilité de cette partie extrêmement importante qui est la pratique. Ça permet, si on souligne juste une petite introduction comme ça vers ce monde, ça nourrit la créativité. Ça permet absolument, à l'enfant. C'est-à-dire que ça peut aller du dessin, jusqu'à. On a vu ce ballon de baudruche recouvert de papier mâché, donc ça peut donner lieu à des objets, à des sculptures, à des. En fait, voilà, c'est un monde immense. Absolument. Mais aussi, ça capte l'attention de l'enfant. C'est une vraie école pour permettre, et déjà même le jeu, vous savez très bien que ça fait partie aussi des outils de diagnostic. C'est des cadres théoriques aussi. Beaucoup de chercheurs, ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé justement sur cette relation qui est entre l'enfant
ou avec cet objet, avec cette couleur, avec l'espace horaire, dans le cadre, dans la relation, ça permet aussi de se projeter dans l'expression. Si on produit quelque chose, eh ben, on transforme ce qu'on n'a pas pu dire, comme ça, dans la parole, vers un objet. Et là, vous savez très bien, et peut-être mieux que moi aussi. Ça se voit bien dans les peintures et les dessins, parce que voilà. Des fois, il ressort des monstres et on lui dit « Et c'est qui celui-là ?»« Eh bien, c'est toi, maman. » Là, c'est choquant. Mais aussi, vous savez, c'est le cadre de tous les artistes. Oui. Un artiste, il n'a pas... La particularité, c'est qu'il ne dit pas les choses simples avec des mots qu'on a la force de les dire simplement. Mais voilà, l'artiste... Le véhicule, c'est plutôt le ressenti, les émotions, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut. Ce qui fait que nous, téléspectateurs ou spectateurs de son œuvre, on est sensible parce qu'on est dans le même mood ou dans la même phase émotionnelle éventuellement. Donc voilà, on voit plein de petits ateliers qui sont non seulement récréatifs mais instructifs des fois. Et c'est vrai que ça peut aussi éliminer ou enlever les éléments de stress aussi, les travaux manuels. Énormément. C'est déstressant. Vous savez, c'est... Autant c'est... pour les adultes que pour les enfants. Pour les enfants, tout à fait. Pour la simple raison que, des fois, on a difficulté à passer le message. Juste pour, je me demandais juste ton stylo comme ça, et je n'ai pas les mots, dans le geste, dans le sentiment, il y a quelque chose comme ça qui, peut gêner, peut angoisser, peut perturber. Un enfant, si on lui donne un tout petit peu cette parole pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Mmh. Alors, aujourd'hui, on voit un peu les masques pour prendre ce rôle, dans le jeu de rôle, pour se positionner dans des profils qui ne sont pas ses vraies propres histoires, ça va lui permettre de projeter. Des fois, c'est vrai qu'ils se projettent dans leurs jouets. Et bien voilà, je crois que la projection. Ils font parler leurs jouets, les enfants, effectivement. Et je crois que l'écoute. Nous, on a souvent parlé de l'écoute, de la communication entre adultes, enfants, comment la communication peut nourrir, comment elle peut apporter aussi. Elle permet à l'enfant de développer un peu ce côté artistique et la richesse dans laquelle il peut évoluer, et surtout tout le monde imaginaire, mais aussi, ça permet aussi de trouver les mots qui sont associés, les mots qui vont lui permettre de raconter des histoires, de créer un scénario, de construire un tout petit peu un vécu. L'enfant, il n'est pas censé juste vivre les 1, 2, 3 que les mamans suivent, un peu l'école, la nourriture, la table. C'est vraiment un monde imaginaire là où ils peuvent vraiment, je dirais entre parenthèses, délirer dans tout ce qui peut développer leur aptitude. Développer tout ce qui peut être expérience vitale, mais aussi les belles expériences infantiles qui vont rester à vie. Absolument. Je crois que ce sont ces ateliers qui vont permettre à l'enfant d'abord de trouver leur espace, de découvrir aussi leurs compétences. Il y en a ceux qui sont très très doués dans tout ce qui est motricité fine. Donc avec les petits doigts, ils ont la finesse de construire des bracelets, de travailler les détails. Maquettes, ils sont capables. Moi j'ai le souvenir pendant la période de la Covid-19, qu'on avait des travaux collectifs où on ne sortait pas de nos maisons, et on a construit des maisons avec les enfants. Énormément de petites maisons, mais chacune avait son cachet particulier, son petit décor, le mobilier. Et c'est vrai que ça a aidé tout le monde. Absolument. Mais vous savez, c'est ça la richesse d'un adulte qui a appris énormément. Mmh. Il a su transformer ça et puis offrir à sa famille, dans le contexte, quelque chose qui peut vraiment... les protéger, mais aussi leur permettre de s'épanouir et de retrouver une partie plaisir dans tout ce qui était tristesse et méfiance. Mais il y en a d'autres mamans qui étaient vraiment coincées. Elles n'avaient pas ni la patience, ni l'art, ni la manière. Mm-hmm. Et puis elles avaient plutôt besoin de retrouver un peu plus d'aider, les personnes qui pouvaient les soutenir. Donc il y avait une demande de soutien et de lien. Moi, je dirais que c'était un très bon exercice de renforcement de lien entre les personnes pour qu'ils puissent vraiment retrouver cette partie vie. C'est pour ça que c'est très, très important de revenir à offrir à nos enfants tout ce qui peut être activité artistique et puis tout ce qui peut être culturel. Ça peut être aussi aller jusqu'au jardinage. On en parlera à travers des ateliers pour enfants, justement.
tout à l'heure avec un invité qui va suivre. En tout cas, voilà, c'est dire d'abord à ses parents, aussi à ses enseignants, hein, de passer par les travaux manuels de temps en temps pour attirer, accrocher et développer les compétences de ses enfants, effectivement. Il n'y a pas que ça, mais c'est pour aussi souligner les informations, pour qu'ils puissent les retenir. Un petit exemple à la maison, pour les calculs, pour un travail, ça schématise et ça permet de mieux mémoriser. Et puis, ça va aider pour les examens. C'est va booster un tout petit peu et préparer nos enfants pour qu'ils puissent vraiment passer les examens avec une bonne mémoire. Et puis, joindre l'utile à l'agréable, vous voulez dire. Excellent. Merci Aïda Mechli. Merci, je vous souhaite Radia. De passer une excellente semaine. Hein, parce Merci que, à vous. On se retrouve dans une semaine, dimanche Inch'Allah. Prochain ou Inch'Allah. Lundi prochain, selon le cas. Donc merci infiniment pour tout ceci et merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc nous allons dans un petit instant recevoir un autre invité qui évolue aussi dans la sphère artistique. Mais avant, donc, voyons un petit peu ces belles images d'Algérie. Cette courte balade à travers Alger et ses quartiers, donc notamment le dernier, donc le jardin botanique d'Al-Hamma, qui accueille tout un groupe d'enfants guidés par un artiste ou quelqu'un qui s'y connaît bien en plantes. Donc il s'agit de Samir Gerfi, qui viendra tout à l'heure nous parler d'une très belle expérience dite immersive pour ses enfants, donc au cœur de ce jardin botanique à travers les ateliers verts. Alors tout de suite, nous allons parler d'art d'abord. Nous allons parler d'art à travers une exposition qui sera très prochainement abritée par la galerie Racim. C'est en plein cœur d'Alger que l'artiste peintre Saïd El Jama va rencontrer donc son public. Et il est aujourd'hui avec nous pour nous parler justement de cette belle expérience qu'il prépare. Bonjour. Bonjour.
Ça va, vous allez bien? Ça va, ça se passe. Ah, là, vous profitez du soleil d'Alger, hein? Pas que. Pas que. Pas que des jaunes. La chaleur des cœurs aussi. Exactement. Hein. Pas que des soleils. Oui, c'est vrai. Et des rencontres, des nouvelles rencontres aussi. Beaucoup de rencontres. Donc, Saïd El-Djama. Donc, depuis quelque temps, vous avez décidé d'exposer un peu plus en Algérie. Exactement. Parce que pendant une trentaine d'années, vous avez présenté vos œuvres de l'autre rive de la Méditerranée. Vous vivez en France actuellement. Oui, ouais, tout le temps. Ça fait déjà 50 ans. Ça fait 50 ans. Donc, du coup, maintenant, c'est découvrir ce à nouveau ce pays par rapport aux expositions et aux nouvelles rencontres, parce que les anciennes rencontres sont un petit peu disparues. Oui, c'est vrai, ça a commencé déjà il y a peu de temps, avec une exposition abritée par l'un des hôtels de la capitale. Exactement. Oui, ça vous a permis d'avoir une première expérience d'exposition Exactement. Individuelle. Et la rencontre avec des gens, et je trouve ça très 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 sympathique, et franchement, c'est je ne m'attendais pas du tout, et ça n'a pas été prévu pour que je vienne un jour exposer ici, montrer le travail. Et celle de Mohamed Racine va être quasiment une nouvelle expérience pour moi. Très bien, donc une expérience qui va certainement jauger l'appréciation de vos œuvres par ce public algérien qui va parcourir, qui est vraiment composé de tout le monde, hein, parce que c'est vrai que cette galerie Mohamed Racine à Pignon-sur-Rue, oui. Donc c'est au cœur d'Alger, donc voilà, c'est le passage de beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui travaillent et qui vont faire une halte et discuter avec vous, n'est-ce pas? Oui, mais puis j'ai découvert que quand même, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent à l'art. Absolument. Contrairement aux idées reçues ou à des non-dits ou des dits comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'y intéressent à l'art. Moi, j'ai été faire un tour pour voir d'autres exposants et beaucoup, beaucoup de gens sont de tout âge. Voilà, visitent les expositions et les galeries d'art. S'y intéressent, oui, contrairement à ce qui se dit. Absolument, il y a énormément d'événements qui regroupent aussi les plasticiens chez nous, qui leur permettent justement de faire découvrir toutes ces belles œuvres qui émanent de la sensibilité de chaque artiste. Exactement. Et de son vécu, de son environnement direct. Et vous, donc, c'est par la couleur que l'émotion passe, la couleur, beaucoup. Les formes, la gestuelle aussi, exactement. Y contribue. Exactement. Donc, il y a la couleur, la gestuelle et les formes aussi. Et les formes, et de là, avec le ressenti, on essaye de ressortir quelque chose qui peut parler à beaucoup de personnes. Mmh. Exactement. Absolument. Donc, c'est chacun sa technique, voilà. Donc, moi, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que l'œuvre abstraite va tout de suite parler au sens à travers justement cette fenêtre qu'on appelle l'œil. Donc dès qu'on capte ces images, on a des sensations face à ces couleurs, ces plages de couleurs. Parce que les œuvres sont pour la plupart de grands formats qui permettent justement toutes les fusions et tous les mariages. Exactement. Et après, bon, c'est pas pareil que les natures mortes ou les paysages etc. L'avantage de l'abstrait, c'est que chacun puisse voir ce qu'il a envie de voir et découvre ce qu'il a envie de découvrir. Et généralement, un tableau, les gens ne retrouvent pas la même chose sur le même tableau. Absolument. Parce que c'est un ressenti particulier. Voilà, ce n'est pas une œuvre littéraire, ce n'est pas une œuvre philosophique non plus. Non plus. Voilà, c'est vraiment les sens qui sont exacerbés. C'est les tripes. Absolument. C'est que les tripes de chacun. Voilà. Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, je n'arrive pas à reproduire quelque chose. Les portraits, les trucs, c'est pas mon. Voilà. Donc, c'est pas la même chose, exactement. C'est pour ça que je suis que dans l'abstrait et je fais pas. Voilà, c'est un choix, en tout cas, c'est un choix pour lequel vous avez opté en fréquentant les ateliers des Beaux-Arts à Paris. Tout. Donc, c'est vrai que vous étiez à la base autodidacte. Hein. D'abord, vous avez commencé à griffonner tout seul. Exactement. Hein. J'ai commencé tout seul. Voilà. Et grâce on est à Paris, c'est incontournable. Oui, on ne peut pas déjà rien qu'à l'observation. Mmh. Quand on est observateur, quand on est intéressé, quand on est curieux, quand on va vers les autres, on ne peut que progresser et avancer. Mais c'est très, très, très difficile. Quand on arrive là-bas dans les années 70, c'était pas évident. Mais c'est les rencontres, Ça enrichit, hein, ça enrichit énormément. Énorme. Et justement, parmi ces rencontres, en fait, vous avez fréquenté plusieurs ateliers de grands artistes de renom en France. Et parmi ces artistes, il y en a un qui vous a un peu plus influencé, Roland.
Techniquement, oui. Techniquement, oui. C'est quelqu'un qui m'a vraiment donné envie de faire autre chose. Mm-hmm. Mais j'ai rencontré aussi, puisque je suis ici, au moins leur rendre hommage à Brigitte Guy, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris, et un Espagnol qui s'appelle Antonio Blasco, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il y a des gens qui vous donnent beaucoup, ils ne le savent pas. Il vous donne parce qu'il trouve quelque chose chez vous. En fait, quand il y a cette prédisposition, la technique sert un petit peu l'idée, sert la sensibilité de l'artiste. À moi, la première fois que je les ai rencontrés, même Brigitte Guy et les autres, c'est eux qui m'ont demandé de venir à l'atelier. Mm-hmm. Dès que je les ai rencontrés, c'est eux qui m'ont dit « il faut que tu viennes à l'atelier ». Il faut possible. Absolument vous enrichir. Exact. En fait, c'est ça. C'est de cet échange que naissent les belles expériences. Bien sûr, et puis à l'extérieur, on s'appropriait tous les espaces, toutes les formes, toutes les architecturales ou paysagistes. On prend plein la gueule, si j'ose dire. Oui. Et de là, ça nous fait avancer et ça nous fait aussi reculer pour mieux rebondir, etc. Oui, et quand on est dans l'art abstrait, parfois, les jeux du hasard nous plaisent aussi, parce que le hasard aussi titille un peu notre sensibilité. Et c'est ce que vous faites, hein. Je suis pas sûr que c'est un hasard. On est guidé par les émotions, on peut les appeler ça comme un hasard. Mais c'est pas sûr que ce soit un hasard. Non, selon les techniques, hein, bien sûr, quand vous êtes sur, quand vous êtes vous, votre pinceau, votre toile, vos couleurs et l'imaginaire qui s'exprime, mais de temps en temps, lorsque, par exemple, une technique acquise dans l'atelier de Roland, qui vous permet justement de mettre énormément de matière et de l'épurer par la suite, exactement. De garder l'essentiel. Exactement, exactement. Ça, c'était un truc, même, on faisait ça même. Donc il y a un jeu. Voilà, il y a une part de choix, il y a une part d'aléatoire. Donc l'aléatoire qui est guidé par nos choix, par exactement. La suite, j'imagine. Maintenant, après moi, quand j'ai exploré bien profondément cette technique, au fait, pour arriver à un résultat, il fallait s'y prendre plusieurs fois. D'accord. Le hasard, c'est sur un geste, ça arrive, ça aussi, qu'on puisse faire une gestuelle sur un tableau et qu'on arrête de travailler parce qu'on... On pense que ça suffit. Mais sur un travail qui est comme le grattage ou avec la matière et laisser ce que garde la matière, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, oui. beaucoup. Non, mais déjà, quand on est artiste peintre et qu'on est dans cette mouvance abstraite, déjà le fait de dire stop, l'œuvre est prête, c'est un choix en soi. Non, mais j'imagine. C'est la seule chose qui est très difficile. C'est excellent. De se dire j'arrête. C'est un moment particulier. Exactement, c'est un moment particulier. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on s'arrête, on rajoute, on doit rajouter, on enlève, on rajoute, on enlève, et en fait non. Oui. C'est très compliqué de se dire hop là, là il est fini, l'œuvre est terminée. Et quoi de mieux que l'image pour illustrer ? Donc on va découvrir vos œuvres, avec avant plaisir. De conclure cette rencontre. On va sur une musique d'Igor Bouchen, ce compositeur émérite, et puis on revient juste après. Et avec plaisir. Thank you.
un très beau voyage entre matière, couleur et gestuelle de l'artiste Saïd El Djama, ici présent avec nous. On est ravis de vous recevoir. Bien sûr, l'affichette indique le 6 mai pour le vernissage de cette exposition, mais bien sûr, elle sera ouverte au public bien avant, le 1er du mois. Le 1er du mois premier sera ouverte, parce qu'en fait, en France, on fait ça. On installe, on accroche les toiles, on prépare tout, c'est ouvert 2-3 jours avant. Et après, on fait un vernissage pour les invités. Pour les invités d'honneur, pour les amis, pour les amoureux et passionnés d'art. Et tous ceux qui et tous ceux qui désirent découvrir l'empreinte et aussi l'univers de Saïd El Djama. On a été ravis, en tout cas, de vous recevoir. Et moi aussi. C'est vrai que voilà, c'est de l'art abstrait, mais ça raconte énormément de sentiments, énormément de vécu, et ce vécu qui s'est fait de l'autre côté de la Méditerranée, donc où vous avez exposé pendant 30 ans, donc à Marseille, en France, je veux dire à Paris et dans d'autres régions de France, mais aussi à l'étranger, en Exactement. Afrique du Sud, oui, oui. entre autres, et là, vous retrouvez le public de votre pays natal. D'origine. Absolument. Non, mais ça c'est vous fait quoi ben, on va finir sur ça. Ah ben, franchement, c'est un enrichissement, un nouveau enrichissement, parce que c'est vraiment, moi j'ai perdu un petit peu pied parce qu'on vient pas régulièrement. Mm-hmm. Mais là, moi une fois, je suis resté 22 ans sans venir, ce qui est énorme. Mm-hmm. Et quand on revient, c'est vraiment quelque chose. On retrouve les odeurs, on retrouve les gens, on retrouve l'endroit où on a grandi, les gens avec mais, qui on a grandi. Mais un Alger qui a beaucoup évolué. Ça a bougé, mm-hmm. ça a évolué, ça. J'imagine. Et puis c'est un pays plein d'espoir avec beaucoup de jeunes qui s'y intéressent à tout, à la musique, à l'art, à la culture, et je trouve ça génial. Il mérite mieux que ça, mais bon, ça va arriver. Bien sûr, c'est déjà bien parti pour ben ça. Oui. En tout cas, voilà, vive l'art, on dira. Hein? Vive l'art pour finir. Eh bien, exactement, vive l'art vive et l'art, intéressez-vous donc, à l'art, parce que sans l'art et la culture, oui, ça ne va pas bien. La vie serait trop monotone. Exactement. Merci infiniment sur ces belles phrases, Saïd El Djama. Je vous souhaite bon vent pour l'exposition. Je vous remercie infiniment. Donc, visibilité à partir du 1er mai, c'est à la Galerie Racim. Et les horaires? Les horaires, c'est de 9h à 19h30. De 9h à 19h30. Et je serai là tous les jours pour l'artiste ceux qui veulent. Sera là pour répondre à vos questions. Exactement. Merci. Merci, merci d'avoir répondu aux nôtres, en tout cas ce matin. On vous souhaite vraiment bon vent et excellent séjour. Ben, c'est un plaisir. Voilà, pour ceux qui sont avec nous, on va continuer de parler d'art et de sport également juste après. Bon, mais tout d'abord, on va voir des petits bambins qui s'intéressent à la musique. On va sentir grâce à cette expérience et cette expérience immersive de notre reporter, Lamia Boudbouda, l'importance pour eux de cette musique et de cette pratique de l'art. À tout de suite. Khalid interprète un Chrissy Mouel et Chrissy Sika sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud Laïeb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc, mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec, avec cette discipline, cette thérapie. Donc, c'est plus bénéfique pour l'enfant. J'apprends la flûte, je suis au piano, guitare ou oud. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans
la flûte. Ça fait depuis un an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris trois musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. On a interprété des musiques du patrimoine algérien. Je fais partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait, hein. On se change les idées. قوم ترى متى نستريح لدني شرب العشية. Des notes ou des inqilabettes que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui. Une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent. C'était là un reportage fait talentueusement par Samia Bouharour qui sait très bien faire parler les enfants, les petits bambins. Donc voilà, mea culpa pour l'erreur de tout à l'heure, ce n'est pas la mienne, mais plutôt Samia Bouharour qui a fait ce reportage. Et c'est une belle perche pour nous, pour parler justement de cette jeunesse qui tente à se développer dans différents domaines de la vie, notamment le sport, à travers justement cette grande manifestation qui regroupe les moins de 17 ans. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, donc qui est abritée par l'Algérie actuellement et jusqu'au 10 mai. Donc pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de retrouver notre confrère et ami, donc Riyad Belkhedim. Bonjour. Belkhedim, Adia, bonjour. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait depuis le Chan, hein, après les grands. Absolument, justement. Passe aux plus jeunes. Voilà, on a vécu le Chan avec vous, avec l'ensemble des éléments de la sportive qui nous ont permis justement de découvrir cette compétition aujourd'hui. C'est les moins de 17 ans qui s'affrontent. Bah écoutez, d'abord, ce n'est pas la même compétition. Mm-hmm. Ce sont des jeunes, ils sont presque, mais pas encore adultes. On a entendu le coach souvent parler de gestion de leur tempérament, de la gestion de la victoire, de la défaite, parce qu'ils sont encore jeunes, de leurs émotions. Le talent, c'est certain, ils l'ont. La preuve, hier, match d'ouverture, c'était important pour eux. On dit qu'il ne faut jamais rater son entrée en matière dans un tournoi ou dans une compétition. Mm-hmm. Et bien les garçons, ils l'ont bien fait hier. J'étais allé les voir mercredi, il y avait une zone mixte, c'est-à-dire des interviews avec la presse. J'ai vu ces jeunes, il y en a qui sont issus de l'académie de la FAF, de la Fédération Algérienne du Football, d'autres de l'académie du Paradou, qui fournit beaucoup de jeunes joueurs. Et puis une partie aussi de nos jeunes issus de l'immigration. Il y en a qui jouent à la JOCR, à l'AS Nancy Lorraine, Auxerre où jouait notamment Saïb à l'époque, mm-hmm. et d'autres comme Tasfaout. Nancy, ce n'est plus le grand club d'avant, mais c'était le premier club de Michel mm-hmm. Platini, donc c'est vous dire que c'est quand même un club qui a formé de bons joueurs. Mathias, qui avait remporté le tournoi arabe, c'était à SIG il y a quelques mois, c'est un petit garçon qui a été découvert à Montréal, par un ancien joueur de Blida qui vit là-bas à Montréal et qui était présent hier au stade. Et ça a fait une superbe entrée en matière. Une équipe qui s'est vraiment démarquée hier. Hein, et puis voilà, et puis il y a un premier défi. Il y a deux intérêts. D'abord, remporter un titre africain avec les jeunes catégories, ça n'est jamais arrivé. Et ensuite, c'est un réservoir pour le futur. C'est une antichambre de l'équipe nationale A. Et tous les joueurs, d'ailleurs, en rêvent. Ils rêvent de jouer dans de grands clubs et ils rêvent d'intégrer l'équipe nationale. Alors, c'est un petit peu aussi l'objectif de la CAF qui est derrière, justement, l'augmentation du nombre de participants à cette compétition algérienne. Donc, on est monté à 12 équipes pour permettre à ces jeunes de participer tout à des compétitions majeures. Et plus il y a d'équipes, oui, plus l'organisation a ses exigences. Mmh. Et l'Algérie, après le Chan, a prouvé sa capacité à organiser ce genre de grands événements continentaux. Nous sommes en lice pour 2025 et on l'a prouvé avec les infrastructures et sportives et hôtelières. On va parler de tout ça dans les futurs bonjours avec cette compétition qui n'est pas terminée. Vous avez donné avec la date plaisir, de la fin. Avec plaisir, maintenant, on va voir le résumé. Il a passé une très belle soirée hier, mm-hmm. C'est à Etflag au stade Nelson Mandela. D'ailleurs, un des chanteurs, Jam, mm-hmm. A rendu hommage à Madiba. Mm-hmm. Le nom que porte le stade de
Nelson Mandela. Nelson, vous savez, Madiba, c'est le surnom affectueux qu'on donnait à Nelson Mandela. On va regarder ce résumé de ce match d'ouverture signé Saïd Fellak. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la catégorie des moins de 17 ans qu'organise notre pays a débuté samedi soir à partir du stade Nelson Mandela de Berrari. Une compétition qui va s'étaler sur 3 semaines à travers 3 sites, Alger, Constantine et Annaba. Avant le coup d'envoi du match inaugural, s'est tenue une cérémonie d'ouverture à la musique bien rythmée, animée par Jamil Rouli, plus connu sous le nom de Jam, Randall et Ita. Des artistes qui ont su mettre l'ambiance dans les grades. Heures entrée en lice pour notre sélection nationale qui réussira ses débuts en s'imposant devant la Somalie 2-0 sur un doublé signé de l'enfant de Tindouf, Meslem Anatouf. On a réussi l'essentiel en remportant les 3 points pour ce premier match. Le score aurait pu être plus lourd si on avait concrétisé toutes nos occasions, mais c'est un peu normal pour cette première sortie. Il faudra rester concentré pour mieux aborder nos prochains matchs afin de terminer premier du groupe. On a fait un bon match, alhamdoulilah. Sans encaisser de but, c'est juste la cerise sur le gâteau. Maintenant, on se prépare pour le prochain match, c'est encore plus dur. Et on doit rester concentré tout au long de la compétition pour atteindre notre objectif, inshallah. Vous le savez, toutes les nations qui débutent un tournoi pareil, que ce soit dans les Coupes du Monde ou dans les grands tournois, le premier match n'est jamais facile. Donc, on a su comment profiter de la première occasion qu'on a eue, bien sûr, malgré qu'on a eu plusieurs occasions pour scorer en première mi-temps. On a travaillé beaucoup plus sur le plan mental. On sait que ces jeunes-là, comme je l'ai toujours souligné, ils ont un problème d'émotion, la gestion d'émotion. Donc ils sont à un âge, ils sont encore jeunes pour dire que voilà, ils sont mûrs pour gérer quelques émotions. La prochaine sortie décapée de Rizk Irmen est prévue pour ce mardi face à la redoutable équipe du Sénégal. Oui, on sait que c'est l'un des favoris de cette compétition, donc on va préparer le match comme ils le font. On va voir ce que demain ils vont faire contre le Congo. Et Inch'Allah, on va gagner, on verra bien ce qui se passera. On va tout faire pour au mieux le préparer. On sait que ça va être difficile, mais on a les joueurs pour et on a le talent. Donc on se fait pas de soucis pour ce match-là et Inch'Allah, ça va le faire. Poussés par leur public, les Minots algériens entendent bien tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible dans ce tournoi. Bon, c'est le moins qu'on leur souhaite, hein, Riyad. Et puis comment ils les appelaient, les Minots ? Les Minots, beaucoup de passion, hein, à l'image de ce jeune supporter qui chantait Kassamen. Superbe, Anatouf Meslem, double buteur. On va le voir dans quelques instants puisqu'il a... Il a remporté le trophée chaque match. D'accord. Il y a man of the match, l'homme du match. Et très logiquement, il marque le un doublé. Le buteur du match. Voilà. On l'a vu notamment dans le sujet, Erskerman, le coach. On a vu le gardien Mathias, le gardien de Montréal. De Lovo, le joueur de Nancy également. Et bien sûr, le jeune, on le voit à l'image, hein, le voilà, tout fier. Vous auriez dit « the youth of the match », not « the man of the match ». « The youth of the match », tout à fait. Bien vu, Radia, bien vu. Voilà. Il y a eu le grand Samuel Eto'o, le maintenant qui est président de la fédération. Et nous, on a aussi notre star, le natif de Tindouf. Beaucoup, beaucoup de talent. Il porte le brassard de capitaine, hein, Meslem Anatouf. Et il est tout fier. Et je pense qu'il va le soulever souvent, ce trophée du meilleur joueur. Vous l'avez entendu en conférence de presse, Skerman a parlé de l'émotion, la gestion de l'émotion. Ils sont jeunes, donc quand ils gagnent, ils mènent, il y a cette euphorie qu'il faut canaliser pour qu'ils restent concentrés. Et puis là, on a eu un bon match. Parfois, on peut être mené au score, tout on peut essayer. Donc, il faut gérer aussi la déception, la tristesse pour stress. Les remotiver, pour qu'ils restent concentrés. Un coach de jeunes, c'est différent. C'est un,
c'est un instituteur, c'est un père. En même temps que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect de la gestion de la jeunesse. C'est toute la particularité de ce genre de tournoi, mais c'est des souvenirs qui restent. Il y a quelque chose d'important, c'est que cette équipe des U17, elle a déjà gagné un titre ensemble. Ils ont un vécu. D'accord. Ils ont une aventure où ils sont allés au bout et ils connaissent le public algérien. Ils ont remporté à Assig et à Oran le championnat arabe des nations. Ils ont battu le Maroc de buts à un. Souvenez-vous, c'était une grande euphorie. Ils étaient très jeunes. Et puis là, c'est une compétition de plus grande envergure. Les nations africaines sont plus puissantes. Le stade Mandela, il est impressionnant. Il est même, parfois, il impressionne les jeunes. C'est fantastique. Il y avait des familles hier, donc c'est une belle aventure. Et puis, il y avait une superbe cérémonie d'ouverture. Peut-être qu'on va voir quelques images, à la dire. Oui, on va peut-être écouter d'abord le... Voir et écouter. The man of the match. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. Sinon, on peut le revoir encore un peu. Images, non, mais là, on l'a vu, Anatov. Là, on va voir quelques morceaux choisis de cette cérémonie d'ouverture. مفتون بزينك ونغيس في الوان شريس نعيش ونموت شريف نحلم بلوف ان بيس والفرحة دايما لوان هاي فريقيا مرحبا باللي جا وجاب لي دي شوفك في السماك النجمة نفرحك وتقولي وليدي Encore une belle fête continentale, fête du football essentiellement. C'est bien. Moi, j'aime voir ces images où l'Algérie, parce qu'il y a d'autres villes, hein, il y a notamment aussi Constantine, il y a Annaba qui accueille les matchs de cette compétition. J'aime quand l'Algérie devient un laps de temps assez court, mais important, la capitale de l'Afrique. Du continent. L'Algérie, dans pas longtemps, elle va lancer la première radio africaine. Ici même, au boulevard des Martyrs. Donc, c'est bien que l'Algérie soit un phare de l'Afrique comme ça et accueillir la jeunesse. Moi, je trouve que c'est une belle image. C'est pas du tout démagogue ce que je dis. Hein. Oui, c'est important parce qu'on a tendance souvent à regarder dans un sens de la Méditerranée, en face, en haut. C'est vrai qu'on regarde nos compatriotes qui vivent de l'autre côté, en Europe. Mais c'est bien aussi de se retourner et de regarder un peu l'Afrique parce qu'on fait partie de ce continent. Absolument, actuellement, donc, de très belles expositions permettent aussi de découvrir l'art africain, notamment au Palais de la Culture, mais aussi au Musée du Bardo, pour ceux qui aimeraient comme ça s'imprégner de cette touche africaine. Et voilà, surtout aussi les visiteurs qui sont ici et qui voudraient peut-être voir. Il y en aura beaucoup, parce que c'est des délégations sportives, mais c'est des touristes. Et c'est un apport touristique, peut-être dans le futur aussi, ceux qui vont venir chez eux, leur dire qu'il faut aller visiter l'Algérie. Voilà, entre autres aussi le Musée des Beaux-Arts aussi, qui propose une très belle exposition africaine actuellement. Donc, alors pour finir, je vous donne juste, oui, vous permettez le programme. Aujourd'hui, suite du groupe A, c'est-à-dire les prochains adversaires de l'Algérie, au stade Mandela, Nelson Mandela Barké, il y aura un très costaud Sénégal-Congo. Sénégal, un des gros favoris du tournoi. Il faudra se méfier. Mardi prochain, on va jouer. Le Sénégal qui est dans le même groupe que l'Algérie. On va les jouer mardi. Les Sénégalais, ils jouent le Congo à 14h. Et puis à Constantine, dans le groupe P, stade Hamlaoui, il y aura Nigeria-Zambie, Maroc-Afrique du Sud. Le premier à 17h et le second à 20h. Ben, j'espère que le public sera présent et participera à cette belle fête africaine. Merci beaucoup pour ces précisions, Riyad Belkhadi. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, on attendra les détails au fur et à mesure du déroulement. De toute façon, c'est jusqu'au 10 mai, c'est ça ? 10 mai. Voilà, la compétition se déroulera sur 3 semaines.
Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment, Riyad Belkhadi. Merci à ceux qui sont encore avec nous. Allez, une petite récompense, une virée du côté de Cherchel, la Ksiba de Cherchel en l'occurrence, avec ce reportage signé Feria El Hamdi. Nous sommes à environ 100 km à l'ouest d'Alger. Cherchel, ville antique sur la côte méditerranéenne. Césarée était l'une des plus importantes cités du littoral de l'Afrique du Nord et capitale de la Mauritanie césarienne. On ne peut parler de Cherchel sans parler de Ain el-Qasiba, sans aucun doute l'une des plus importantes anciennes villes arabes. Bâtie entre le 16e et le 18e siècle. Nous nous trouvons ici au quartier Ain el-Qasiba de Cherchel, qui a vu le jour au début du 16e siècle, à partir des années 1500. À cette date, des exilés andalous étaient arrivés ici à Cherchel suite à ce qu'on appelle la Reconquista espagnole. À cette date, des Andalous d'Espagne sont arrivés. Léon l'Africain, Hassan el-Wazen, dit qu'il y a 1200 familles qui se sont installées ici à Ain el-Qasiba. À l'époque, il y avait peu de monde à Cherchel. D'autres historiens, des historiens qui disent que Cherchel, elle était complètement déserte. Une fois sur place, ces expulsés andalous s'étaient installés ici. Ils ont commencé à construire leur habitation à partir de matériaux locaux qu'ils ont trouvés sur place dans des ruines romaines. Ain el-Qasiba représente le cliché type de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période des Ottomans. Par son style architectural, entre la fusion des maisons, l'étroitesse des ruelles, les raccourcis et les accès. Sur cette ruelle, on peut voir le groupe de maisonnettes ici. Donc c'est des maisonnettes qui ne ressemblent pas aux maisons de la Casbah d'Alger, par exemple, qui est plus ottomane. Ici, on a plus un style andalou. Donc c'est des petites maisonnettes sur un niveau, c'est-à-dire un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée plus un premier étage. Les andalous, quand ils ont été chassés de Cordoue, en arrivant à Cherchel, ils ont réutilisé des matériaux. Ces matériaux romains, qui étaient utilisés dans la construction des maisons, des bâtiments romains, ont été réutilisés par les andalous et par les autochtones pour reconstruire pour construire plutôt les maisonnettes. Donc on trouve des pierres de taille, on trouve du mortier, des briques romaines et même des fragments de mosaïque parfois sur même les murs des maisonnettes. Des effluves de café en plein cœur de Cherchel. C'est ici, derrière ces murs, que depuis de nombreuses années, Café Cherchelli torréfie. Pour les Cherchellois, le café est indispensable pour motiver et pour se réveiller le matin. Qu'est-ce que le café ? C'est une famille honnête. Je le dis et je le précise, c'est une famille honnête qui ne triche pas. Les années 60, après les années 60, c'est-à-dire après l'indépendance, c'était un café qui attirait la curiosité des citoyens. En voyant les machines, le traitement du café jusqu'à obtenir un café moulu. Bon, mais tu fais les Bekri, ils avaient, enfin, il y a quelques années, au départ, il y avait l'emballage qui portait le café Cherchelia. Et lorsqu'on prenait le café Cherchelia, sincèrement, c'est-à-dire avec l'odeur, les senteurs de ce café, il est extraordinaire. Avec ses vestiges romains, son patrimoine immatériel et culturel arabo-berbère, Cherchel est une cité exceptionnelle qui recèle des potentialités et des traditions qui enchantent et incitent à les découvrir. Entièrement d'accord avec Feria El Hamdi qui nous a donné l'eau à la bouche avec, enfin pas seulement l'eau à la bouche parce qu'on a senti le café tellement ça a été bien vendu. En tout cas, on a été ravis de découvrir l'Ain el-Qasiba de Cherchel et nous sommes tout autant ravis de recevoir notre invité suivant qui nous vient de pas très loin, donc juste un peu plus bas, quelques encablures d'ici, le jardin botanique d'El Hamma. Donc bienvenue à vous, Samir Garfi. Bonjour à vous, merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent derrière leurs écrans. Bonjour.
Voilà, vous êtes chanceux, vous évoluez dans un cadre féerique, oui. Donc celui de ce jardin expérimental donc, oui. Où la nature est reine. Et vous y êtes animateur, formateur, éducateur, notamment dans le centre d'éducation oui. En environnement donc, qui fait partie de cet ensemble. Oui. Alors le centre d'éducation en environnement, alors, il est dédié pour les enfants, mmh. Pour la protection de l'environnement. Alors notre rôle c'est de sensibiliser et de toucher beaucoup plus les gens qui habitent dans un milieu urbain, mmh. pour déconnecter en même temps du milieu urbain et faire partie de la nature et faire appel aux gens que l'être humain est toujours lié à la nature. Alors à travers des ateliers, on a l'atelier du jardinage pour les enfants et les adultes, qui a comme objectif, c'est renouer le lien entre l'homme et son environnement. La terre. Oui, la terre, les plantes, ressentir, appréhender toutes les saisons qui existent durant l'année. En même temps, on a l'atelier d'aquariophilie pour faire connaître aux gens le monde marin, le monde aquatique, découvrir ce qui est un poisson, l'importance du poisson dans le côté social et en même temps médical. Mm-hmm. Et il y a l'atelier d'apiculture. C'est un anti-stress. Oui, hein? Exactement. Anti-stress, il est conseillé énormément pour les gens qui ont l'Alzheimer. Parce que les gens qui souffrent de l'Alzheimer, l'aquariophilie, ça aide à apaiser les symptômes de l'Alzheimer. En même temps, on a l'apiculture pour faire connaître le petit insecte qui est l'abeille, son importance dans notre vie. Comme elle a dit Einstein, si l'abeille va disparaître, l'être humain a 5 ans à vivre. Alors, le jardin d'essai avec son centre, comme on dirait, c'est le paradis sur Terre. Absolument, quand on y est, on oublie effectivement les bruits de oui, la ville oui. Qui sont complètement couverts par les bruits exactement, des oiseaux exactement. Et de toutes ces créatures alors, qui oui. Peuplent les arbres. Exactement. Alors les arbres forment une barrière contre mm-hmm. la pollution sonore. Alors quand vous entrez au jardin d'essai, vous oubliez que vous êtes à Alger, vous absolument. Oubliez le bruit, le milieu urbain. Vous avez l'oxygène, la nature, le calme, l'antistress, comme vous l'aviez dit. Oui. Allez, on va servir une dose d'antistress oui, à ceux qui exactement. Nous regardent ce matin et qui ont certainement envie de découvrir des images de oui. Ce beau lieu. Nous allons le faire grâce à ce reportage réalisé par Fadi El Hamdi toujours, qui justement nous emmène donc immersion directe au jardin botanique d'El Hamma tout de suite. Le centre d'éducation à l'environnement du Jardin d'essai est ouvert aux élèves des établissements scolaires, aux associations, les adultes aussi, de même qu'aux enfants inscrits par leurs parents. À travers cet atelier, l'enfant va s'épanouir, va connaître un monde mystérieux et en même temps fascinant de l'environnement, la plante. En même temps, s'épanouir en tant que personne responsable. Il va comprendre que la plante a besoin d'entretien. Responsabilité. Grandir, c'est la croissance comme lui. Ces derniers ont le loisir d'activer au sein des ateliers dirigés qui leur sont proposés entre jardinage et aquaculture. L'Algérie compte 1600 km de côte, donc l'enfant doit comprendre un peu c'est quoi un écosystème et comment le préserver. Et ils sont là pour une session de 3 mois. Et ils font ça tous les week-ends. Et par la suite, ils ont demandé aussi les grands. Au cours de cet atelier, l'enfant et même l'adulte apprendra à installer son aquarium, préparer une eau adaptée à ses futurs pensionnaires, soigner un poisson malade et favoriser la reproduction des poissons. Concernant les enfants, ici, les enfants, ils apprennent à connaître les techniques de jardinage. Donc, à travers ces ateliers, on essaye de rapprocher l'enfant vers la nature, vers l'environnement. Jouer dans la terre, arroser des plantes, faire pousser des légumes, c'est amusant de jardiner. Pour un tout petit, c'est aussi une belle occasion de le rapprocher de la nature. Rien de tel que le jardinage, pour partager des moments agréables avec ses enfants et leurs parents. On a la même passion, donc un échange de plantes, de fleurs, etc. C'est très intéressant et surtout, c'est la rencontre. On regarde les plantes, on les mesure, mais bien sûr, quand ils donnent des fleurs, ils deviennent des fruits ou légumes. Le jardinage a l'avantage d'être une activité à la fois divertissante et éducative.
On les sent bien à l'aise dans leur tablier donc, de jardinage. Hein. Oui. Oui. Bah, vous, ça vous fait déjà 23 ans dans ce beau jardin. Donc, c'est vraiment l'idéal pour un paysagiste de se retrouver, de travailler dans un lieu pareil. Exactement. Alors, comme on a une formation en aménagement d'espace comme paysagiste, on a appris une chose, la plus importante, c'est être, c'est lié, et tisser un lien direct avec la nature. C'est-à-dire, la plante, ce n'est pas une simple plante seulement, c'est un être comme moi, comme elle. Je dois la comprendre et elle doit me comprendre. Alors, comment je peux la comprendre? C'est avec l'entretien, je dois assurer qu'elle ne tombe pas malade, je dois l'arroser, je dois lui donner... Pas trop arroser non plus, parce que des fois, c'est néfaste pour les plantes. Non, je sais ce qu'elle a besoin. Alors, la plante, pour me récompenser, elle me donne des fruits, des fleurs, elle va embellir les lieux dans lesquels elle se retrouve. C'est pour ça que je suis très content de faire cette formation auparavant. Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre telle tâche ou telle partie endommagée dans une plante. Exactement. Si c'est un manque de fer, si c'est un manque de terre. C'est pour ça que notre centre existe. C'est pour sensibiliser, former, informer les gens envers leur environnement et comment entretenir la plante, qu'elle soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. Mm-hmm. Même le choix des plantes, les gens ne comprennent pas que le choix de plantes est essentiel. Il dépend de notre résidence, il dépend de notre orientation de la maison, et elle dépend aussi de l'ensoleillement de la maison. Voilà, Samuel Guelfi, vous qui êtes animateur, formateur et éducateur, vous encadrez énormément d'enfants dans ce lieu magique. Oui. Et là, c'est tous les samedis, c'est bien ça? On a vu que c'était c'est une formation Exactement. Oui. Les formations, c'est chaque samedi, samedi matin, samedi après-midi. Vous avez formation pour les adultes ou pour les enfants? Pour les deux. Pour les deux, d'accord. Pour les deux. Alors, les débuts du centre, c'était pour les enfants, mais comme les adultes, ils ont vu, ils disaient... Ils sont tout aussi curieux. Exactement. Ils se sont dit, moi, j'ai le droit de faire la formation comme mon fils. Alors, on a proposé la formation pour les adultes et depuis... Excellent. Tous les samedis, c'est permis. Exactement. Ils ont, à partir de 10h jusqu'à midi, ils ont une formation jardinage, aquariophilie et apiculture, le matin et l'après-midi, selon leur choix et selon leur disponibilité. Parce que l'enfant dépend de ses parents. Ça veut dire, s'ils peuvent venir le matin, tant mieux. S'ils peuvent venir l'après-midi, c'est la même chose. C'est excellent. En tout cas, voilà qui est dit. Voilà une information très utile pour les parents qui sont des fois désemparés, ne sachant pas où emmener leurs enfants. Exactement. C'est un lieu magique. C'est un lieu vraiment idoine pour ce type de villégiature, de sortie en famille. Oui, exactement. C'est un moment de partage. Mm-hmm. Alors, l'enfant, il est avec moi et ma collègue dans la formation du jardin pour enfants. Et ses parents, ils sont avec les aides en formation. Dès qu'ils entrent à la maison, ils partagent les informations. Qu'est-ce que vous avez fait à l'atelier? Ah, j'ai fait la même chose. Alors l'enfant et les parents sont tous les deux contents. Après, ils vont voir des maisons Exactement. Très verdoyantes. Oui. Alors, notre objectif, c'est créer l'esprit écologique chez l'enfant et maintenant chez l'adulte. Excellent. En tout cas, c'est une bonne école. Merci, c'est une bonne initiative également. Qu'on doit au centre d'éducation en environnement du jardin d'essai, jardin d'Al-Hamma. Exactement. Voilà. Merci à Samir Guelfi. Merci à vous de nous avoir donné cette chance de faire part de votre plateau. Et de raconter un petit peu cette belle histoire, belle aventure lancée depuis quelque temps, depuis pas mal d'années quand même, depuis 2009. C'est bien ça? Oui, mais 2009, le centre s'est développé. Oui, exactement. Depuis 2017, beaucoup de choses ont changé. Les informations, on les a développées beaucoup plus. L'évolution, parce que les débuts, c'était les premiers pas. Et maintenant, le voyage de 2 miles commence par le premier pas. Alors, c'est la même chose. En tout cas, bonne chance pour la suite. On a été ravis de vous recevoir. Merci. Également, pareillement. Merci, madame. Merci. Passez une excellente journée. Ainsi que toute l'équipe du Jardin d'Essai. Exactement, merci. Alors, dans un petit instant, nous retrouvons nos collègues et amis du dimanche. Il s'agit de Yazid Ait Mahidine et Mariam Moussaïd. Mariam, comme les plus fidèles le savent déjà, nous parlera également des vertus de la nature et des plantes. C'est dans un instant après ceci. Yeah.
Voilà, nos amis sont bien installés. Bonjour à Mariam Moussaïd. Ça bonjour, va bonjour, comment vas-tu? Mariam qui cherche son sac. D'ailleurs, on va demander à la collègue de vous le donner tout de suite. Oui. Allez-y, Chifa, s'il vous plaît. Merci. Pas, merci. C'est gentil. Voilà. Elle n'a pas fini de faire ses emplettes pour sa rubrique ce matin. Bon matin, j'ai commencé très tôt. En plus, ça m'a coûté zéro dinar. Bravo. Donc, le temps pour moi, justement, le temps pour moi de présenter aussi notre ami Yazid Ait Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour Rabia, ça va? Oui, ça va. Ça va? On salue tous nos téléspectateurs qui nous regardent d'un peu partout, apparemment même de Topeka. Voilà, et que Mariam a retenu en haleine, donc elle va tout à l'heure nous livrer tous les mystères de ses emplettes de ce matin et de toutes ces plantes dont va parler. Ça pique, hein? Ça pique, ça a l'air de piquer. Oui. Vous avez aussi une plante à côté. Donc, oui, j'ai toute une histoire, après je la raconterai. D'accord, oui. On parlera du fruit tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, je vois aussi un livre. On en parlera aussi, mais je commence. Je dis plus rien, j'attends. Doucement. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de la Méditerranée. Il paraît même à Topeka, on nous regarde. On salue tous les habitants de Topeka. On les a oubliés, en fait. À un moment donné, ils faisaient partie, en fait, du bulletin météorologique. Vancouver et Topeka, etc. C'est vrai. Mais on dira Amel, comme ça. Commençons par le commencement et commençons par le verbe, puisqu'au commencement, il y avait le verbe. Je vais empiéter sur la chasse gardée d'entre Joe National, puisqu'il est dans ses conquêtes livresques, philosophiques, du côté de Tunis, à Carthage. Ouais. Voilà, pour parler d'art contemporain, à l'occasion de la présentation de son livre, justement. Ouais. Et moi, je parlerai de Gabo au Gabriel Garcia Marquez, puisque ces jours-ci, il y aura donc la sortie à titre posthume de son roman. En attendant, on se voit en juin. Le roman qui s'appelle « On se voit en juin ». Donc, son fils a donné l'accord pour publier le, je sais pas, en forme de nouvelle ou de roman. Donc, il sera publié prochainement à Mexico. Il n'y aura pas de grande dédicace, mais quand même... Ça fera le bonheur de tous ces fans qui sont à l'échelle planétaire. Oui, il y a beaucoup de fans, de passionnés de littérature. Et de Garcia Marquez, contre. Oui, dont Clinton, Barack Obama, l'ex-président, le regretté Fidel Castro, etc. Donc il a quand même... Un public. Et voilà, donc, côté littérature, on attend pour lire dans sa version française ou arabe ou temazirt la traduction de Gabo au Gabriel Garcia Marquez. Et puis, direction Paris, où se déroule actuellement la foire internationale du livre. Et je réussis à me procurer le livre de Sarah Prévens. Voilà. Doucement, il faut quand même les garder, précieusement. C'est de la dark romance. Donc, Sarah Prévens. D'où la violence. Oui, voilà, il y avait foule. Et puis, elle a réussi son bain de foule, puisqu'elle n'est pas uniquement sur le virtuel. D'accord. Et elle a réussi son bain de foule à la foire internationale. Elle a rencontré son lectorat. Elle a rencontré son public et elle a dédicacé son tapis. On la voit à l'image, cette jeune auteure algérienne qui a donc maintenant l'écriture, c'est son sport favori. Elle n'est pas uniquement propriétaire de salle de sport. Vous voyez maintenant la patience de tous ces lecteurs venus à sa rencontre. Pour lire cette histoire de la captive Hila, cette Sherazade des temps modernes, cette Sherazade qui s'est affranchie d'un jeu de clans, de scots, de haches, etc. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement, on a pu voir Sarah Prévens Sarah qui dit « De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas ». Puis elle fait un peu de la publicité pour le bonbon, après. C'est encore un enfant, c'est incroyable. Mon Dieu, c'est le phénomène de cette année. En tout cas, Sarah Prévens, pour ceux qui ne le savent pas, donc elle a carrément battu tous les records, justement. Ouais.
sur les plateformes qui permettent justement de découvrir ces livres. Oui, c'est des chiffres astronomiques, 9 millions de lectures, etc. Personne ne peut faire ça, personne ne peut égaler en fait ce chiffre extraordinaire. Oui. Avoir affaire à un public qui lit 9 millions en une semaine. Après, peut-être. C'est... Je ne serais pas surpris si sa saga ne sera pas donc tournée en film prochainement. Donc certainement que ça va attirer comme Harry les Potter, réalisateurs. En fait, hein, c'est oui, absolument. C'était un best-seller au départ. Que... Oui. Oui, pourquoi ? Oui, c'est captivant, c'est captive, non ? Ben oui, absolument. La preuve, c'est que vous en parlez encore de Sarah Rebens. Oui, j'ai sacrifié le chat. En fait, c'est vrai que, voilà, on a tendance, le pseudonyme, voilà, tendrait à nous fausser un petit peu le jugement, dans le sens où on croirait que c'est peut-être une étrangère, mais c'est une Algérienne. Mais Sarah, c'est un prénom très présent, oui, si on a voilà, dit Sarah. Mais Rebens, hein ? Rebens. Rebens. Il faut peut-être lui poser la question. Hey, Rebens ou Ben Rebens, oui. Ça peut passer, non ? Ouais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière, elle ne l'a pas peut-être choisi. Ce n'est pas anodin, peut-être. Peut-être qu'on la recevra un jour. Oui, l'essentiel, retour, c'est de lire son roman et puis chercher un peu les aspects liés à l'affiliation, au nom, etc. Bon, ça peut permettre aussi de chercher. De faire une étude absolument. Surtout sur absolument. Les noms et les gens qui cherchent un petit peu leur nom, comme ceux qui utilisent les noms comme ça, comme Yasmina Khadra par exemple. Oui, c'est un pseudo, ça reste oui, un pseudo. Et c'est toute une histoire. Les gens, ils ont commencé déjà à s'intéresser au nom pour pouvoir par la suite découvrir l'auteur. Voilà. En fait, je reste toujours dans la littérature. J'empiète encore sur Smehna Joe. T'es pas la mise à fond, toujours t'en rêver. Puisque j'ai lu sur Le Soir d'Algérie une chronique de Boubkar Hamidichi, qui a rendu hommage à deux grands poètes algériens. Mort le 1er le 24 avril 2003, les deux sont morts en 2003, et Mohamed Dib le 2 mai 2003. Donc il rend hommage à travers sa chronique où il rappelle un peu le génie de Ahmed Asghar, le poète Ahmed Asghar, et le génie de Mohamed Dib. Je rappelle juste quelques mots qu'il rappelle dans cette chronique où il rappelle que c'est des... Ils sont silencieux, ils sont là, ils sont partis sur la pointe des pieds, en fait, en 2003. Par exemple, par rapport à Ahmed Asghar, il rappelle ce monastique poète que l'éphémère revue Novembre révéla au même temps que les œuvres du défunt Mustapha Toumi, ne connut cependant pas la notoriété auprès du grand public, dont pourtant son inspiration et ses thèmes méritaient tout en moins un certain intérêt. Pour Mohamed Dib, il dit, il rappelle un peu l'hommage, la préface de Louis Aragon, parce que Louis Aragon lui a consacré un hommage dans Ombre gardienne. Il dit, cet homme, écrit-il, d'un pays qui n'a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre, les fleuves de mes quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec les mots de Villon et Peggy. Voilà, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il s'est approprié cette langue de Molière d'une manière extraordinaire. C'est un monsieur, Mohamed Dib, oui, c'est un monsieur d'une noblesse toute tlemcénienne et de vieille France aussi, parce qu'il a essayé de maintenir cette synthèse de la beauté livresque, en fait. Oui, mais c'est vrai alors, que... Je vous propose, Yazid, si tu veux bien, je te propose de vous donner un petit poème de Asghar, que j'ai appris il y a très très longtemps. Ahmed Asghar. Ahmed Asghar, oui. Saha. T'as vu, hein regarde. Je suis nulle part et partout, je me conduis comme un voyou. Plus d'un croit que je suis fou, mais au fond de moi, je m'en fous. Mes amis m'appellent Yezo, c'est le nom d'un oiseau, très râleur et très incivil, qui vit au fin fond du Brésil. On me dit aussi artiste, j'écris des poèmes pour rien, qui font plaisir et compte aux copains, qui voient en moi un type bien. Voilà. Oh, je pense que c'est les récifs du silence, je pense, puisqu'il a... Il a écrit ce grand poème, ce recueil des récifs du silence, et puis il a été aussi auteur de plusieurs nouvelles, dont une a été adaptée à la télévision algérienne. Tout comme Mohamed Dib, dont l'œuvre a été reprise. L'incendie, le métier à tisser, et puis la trilogie nordique.
Et je passe un coup de gueule, parce que le lac Telamine d'Oran, près d'Oran, donc du côté de Gdil, pratiquement, il est déjà le niveau de l'eau. Donc, carrément, il est à... Il s'est desséché. Oui, c'est desséché. Oui, les flamants roses, c'est là où il y a plus. Avant, il y avait 30 000 flamants roses. Aujourd'hui, ils sont à 1500 flamants roses. Et les zones industrielles déversent leur rejet à l'intérieur de ce Ça, lac. C'est un coup de gueule, mais l'association Boudour, donc l'association locale écologique Boudour, donc elle a tiré la sonnette d'alarme. Et heureusement que prochainement, il y aura une station d'épuration. Au grand bonheur de ces élégants échassiers qui vont profiter et qui vont rester parce que c'est un point de nidification. Mm-hmm. C'est un point d'hivernage aussi pour ces oiseaux migrateurs, oui. Donc qui viennent en Algérie cherchant un peu la chaleur, etc. Mm-hmm. Oui, en tout cas, voilà. Espérons. Moi, je garde mon point d'interrogation relativement à ces pommes de pin qui sont installées juste à côté. Je vais vous en parler parce que j'ai été. Mais rapidement. J'ai été au parc zoologique faire un peu mon footing et tout. Et là, j'ai aussi un coup de gueule où l'on voit aussi des plastiques, déchets. Des déchets, etc. Mmh. Et c'est vraiment. Et puis, c'est un. Avis aux recycleurs qui peuvent aussi gagner leur vie. C'est une mine d'or s'ils viennent dépolluer le parc zoologique où je me suis. Oui. Et j'ai fait une petite vidéo comme ça sur le pain d'Alep. Ah. Voilà, je voulais. J'empiète sur Joe, j'empiète sur Melier, j'empiète sur toi. Allez, je vais animer. Voilà. Bien, on s'échange les places. Je l'offre à Melier, voilà. Ok, allez, vas-y. Moi, nous allons voir. Attendez, nous allons voir la vidéo. Bonjour, Marie Ostrom. Aujourd'hui, nous allons vous parler du pain d'Alep. Cet arbre gigantesque, cet arbre à nous dire beaucoup de choses, c'est un arbre de pratiquement plus de 1600 mètres de longueur. Et puis, il fait juste comme un parapluie de 4 mètres. On le voit par exemple par là, il fait pratiquement, c'est un parapluie, c'est bon pour l'ombre, etc. On est là pour s'abriter quand il y a des chaleurs, parce que c'est un arbre qui résiste aux chaleurs extrêmes. Et puis, il donne le pain, du genre pinus. Et ce pain, il est aussi très très important parce que certaines graines de ce pain sont utilisées dans la pâtisserie, dans la confiserie, et puis aussi pour la pâte à papier. Et cet arbre aussi, il est pratiquement, à chaque fois on repeuple les forêts pour lutter contre la déforestation par cet arbre qui est le pain d'Alep, le salam bar al-Halabi, et puis il donne du skoko. Merci, Hakim. Tout fini. Merci, on ne sait pas. Hein. Merci au caméraman. C'est 3 mètres, 4 mètres, c'est pas 1600 mètres. C'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est pas la Marie Ostrom, c'est la Marie Nostrom, voilà. Mais c'était sympathique. Voilà. Alors, oui, Mélioma. Alors, on va parler de Dame Nature maintenant. On reste toujours dans Dame Nature. Alors aujourd'hui, moi, j'ai deux plantes à vous proposer, donc un arbre et une plante bisannuelle. Que tout le monde connaît, c'est le chardon. Mmh. Donc, on sait très bien que le chardonneret s'appelle le chardonneret par rapport à cette plante, donc qui pousse pendant le printemps, qu'on trouve comme ça en forme comme des petits artichauts avec cette jolie fleur violette, un petit peu mauve au départ, et qui devient en séchant sèche. En fait, dégage des graines qui sont excellentes. Donc voilà, comme on le voit, donc le chardon. Et bien entendu, le chardonneret est l'oiseau qui arrive à aller manger les petites graines qui sont à l'intérieur. Même quand il a séché, en fait, les piquants sont vraiment très... Ne le décourage jamais. Non, en fait, lui, il y arrive avec son petit bec et ses petites pattes et tout. Il réussit à manger donc ces petites graines noires. J'ai réussi à enlever quelques-unes ce matin, difficilement. On les voit en image. Voilà, donc elles sont comestibles. Mm-hmm. Alors, je voulais vous en parler parce qu'en fait, c'est un excellent reconstructeur. Vous me proposez pour que je mange? Bah oui, tu peux goûter, hein. C'est un petit... ça n'a pas vraiment de... Il n'arrivera rien, au contraire, c'est très bon. J'ai vu combien de téléspectateurs qui ont assisté à ça.
T'inquiète pas, au contraire, c'est excellent, c'est un bon reconstructeur pour, oui. Pour le foie, mmh, surtout spécialement. Bon. En fait, toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du foie, en fait, les études ont été, on va dire, certifiées par des chercheurs et tout. Donc, c'est vraiment un produit qui va reconstruire le foie endommagé. Donc vraiment, c'est le produit phare pour le foie. Et ça a d'autres vertus. Et il faut savoir que ça coûte 6 000 dinars le kilo de graines de chardon-marie, donc il s'appelle choukjmel en arabe. Donc choukjmel coûte 6 000 dinars. Donc quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, c'est peut-être excessif donc, pour une plante qui pousse pourquoi spontanément voilà, dans la nature. Question. Et en fait, tout est dans... Pas dans ses vertus, c'est beaucoup comment le récolter. C'est amer. C'est légèrement amer. Mmh. Bon, qui dit amertume 10 fois, ça, le lien est vite fait. Et en fait, c'est très compliqué à aller chercher cette petite graine au milieu de ces piquants. Donc, comme on peut le voir ici, donc il y a une espèce de comme un petit foin comme ça au centre. Donc, oui. Dès qu'elle commence à sécher, ce sont des petits parapluies qui vont commencer à se dégager avec la petite graine et ça va aller se disséminer au gré du vent. Donc, eux, comme ça, récoltent le chardon quand il a fini. De sécher et c'est fastidieux. Et oui, en même temps, on souffle dessus et c'est beau à voir, comme ça, ce nuage blanc. D'où donc, d'où le prix. On l'appelait chétan. On l'appelait chétan. Oui. C'était le pissenlit qu'on appelait chétan. Voilà. Donc voilà pour le chardon-marie, donc choukjmel. On a un petit peu une idée des vertus de cette petite graine comme ça qu'on ne connaît pas réellement. Hein. Mm-hmm. Pour nous, c'est insignifiant, mais ça a énormément de vertus. Et en même temps, je voudrais vous parler d'un arbre qui s'appelle mélia. Voilà. Alors ça, c'est mélia. Par les contre, celui-là, sont belles, hein. Je te demanderai de sentir et tu me dis si ça sent bon ou non. Oh, ça sent très ça bon. Ça sent très bon. Tu as vu, je pense ça dans le paysage urbain, il y a beaucoup de plantes, d'arbres. Oui, ça rappelle les glycines dans les centres. Un petit peu, voilà. Ça rappelle, ça rappelle, exactement. Donc, il est en fleur en ce moment. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, si vous vous baladez comme ça à Alger, et si à un moment vous sentez comme ça une bonne odeur au milieu de nulle part, vous leverez la tête. Voilà vous l'arbre, que c'est on va le reconnaître. Exactement, j'ai vu un arbre du côté de la rue. Il y en a juste en face. La rue Alekhoudja, pour faire bien et tout. Ça sent très bon, surtout au début de la journée, donc vers 6h. 7h du matin, c'est là où les fleurs dégagent tout leur parfum. La rue Mohamed Bouguerra aussi, du côté d'Albiar, je pense. Voilà. Et ce qui est joli, c'est qu'en fait, c'est un arbre caduc, donc il perd ses feuilles pendant tout l'hiver, donc au printemps, fin printemps, puisqu'en avril, il fleurit. Là, il va faire de jolies fleurs très odorantes, et ensuite, ça se transformera en petites baies, donc ces petites baies que l'on voit, et qui feront la beauté de cet arbre, donc elles restent accrochées à l'arbre, même une fois qu'il a perdu ses feuilles pendant l'hiver, donc ces jolies petites baies égayent tout ce paysage urbain. Merci, voilà. Merci beaucoup, hein, Maliam. Il n'y a pas de merci, quoi. Merci, donc j'espère que... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jazz, le 30 avril, et on a choisi Archichep pour terminer. Donc voilà. Voilà, on va écouter ensemble Archichep. J'aurais voulu un groupe algérien. Archichep, il est venu en 1969. Mais je sais, au Pan-Africain, 69. Il a été à Tamel Rasset, il a fait la promotion de la musique Targhi. Oui, il a été avec Djilali Aïn Tedless. I know. En tout cas, pour ceux qui ne le know pas, donc on va vous offrir ce petit extrait. Le temps pour moi de vous dire au revoir aussi et de vous souhaiter une bonne journée. Merci les amis. Merci.